Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de la nouvelle maison de Léo Messi à Paris, c'est parti. Mais avant de parler de Lionel Messi qui est selon moi le meilleur joueur du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, c'est pour ne rien rater, je compte sur toi frérot. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Messi. Une semaine après son arrivée au PSG, Lionel Messi est à la recherche d'un logement proche de Paris. L'Argentin aurait ciblé un secteur bien précis pour s'y établir avec sa famille. Toujours dans l'attente de disputer ses premières minutes à match officiel sous le maillot du PSG, Léo Messi aurait désormais une maison pour s'installer avec sa famille à Paris. Messi souhaiterait rendre les clés de sa chambre d'hôtel. En effet, selon RMC Sport, il séjourne au Royal Monceau, un luxueux hôtel parisien. Les recherches sont en cours et selon un professionnel du secteur, le sextuple Ballon d'Or souhaiterait signer un contrat de location avec un bail d'un an renouvelable. La Pulga aurait ciblé un secteur bien précis pour s'installer. Il aura envie de prendre ses quartiers à Neuilly-sur-Seine, dans la très chic banlieue de Haute-de-Seine, aux portes de Paris. Une ville qui abrite déjà deux de ses coéquipiers et amis, Marco Verratti et entre elles, Di Maria. L'objectif étant de trouver le logement idéal dans un endroit réservé où il serait à l'abri du regard du public. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. Pense aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Pense aussi, mais voilà, partager la chaîne à tes amis, à tes ennemis, à ta famille, ça fait extrêmement plaisir. C'était pas le tout pour te servir. Allez, salut, à la prochaine.